Salut à toutes et à toutes, c'est Shadow Nightmare et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un jeu qui est actuellement en bêta que j'ai quand même téléchargé, qui est disponible, alors je crois que c'est exclusivement sur Xbox 360, mais je me trompe peut-être, qui a été fait par Crytek, dont ceux qui ont fait Crysis surtout. Ils ont dit Far Cry 3 aussi au début, j'étais étonné, mais surtout Crysis. Donc j'ai téléchargé la bêta, disponible à tout le monde. Au début je crois qu'elle était juste en bêta close, donc en gros en bêta fermée. Là maintenant elle est ouverte, donc je l'ai téléchargé et c'est pas mal. Donc il est gratuit, actuellement vous pouvez le télécharger, n'importe qui peut télécharger la bêta sur Xbox 360. Et je crois qu'il restera gratuit, c'est un free to play. Par contre le seul truc, donc comme la plupart des free to play, c'est qu'ils veulent nous faire acheter plein de trucs. Donc bon, c'est on va dire fait exprès, mais bon voilà. Mais sinon il est pas trop mal, je m'attendais à un truc assez beauf quoi, un truc à niveau de Call of Duty quoi. Et c'est... Il y a des trucs en fait qu'on trouve pas dans d'autres FPS. Donc vous allez voir ça, mais sinon il est assez sympa. Enfin on peut les trouver dans d'autres FPS, mais de la façon que c'est mis c'est assez sympa. Mais je trouve que c'est sympa pour un jeu gratuit. Oui, ça fait beaucoup de fois que je dis sympa, et alors je trouve que c'est... voilà. Pour un jeu gratuit il est pas trop mal. Donc là vous êtes sur le menu principal, donc qui est assez... qui est pas commun comme menu principal, mais bon. Là vous avez la boutique, donc si vous voulez acheter des packs pour en gros vous améliorer votre truc, ou vous achetez des, comment dire, des plaques, etc. Donc là vous avez plein de trucs à acheter. Vous avez les options, donc ça bon, on peut regarder vite fait, mais c'est les commandes, la jouabilité, graphisme, etc. Comme d'habitude quoi, j'ai envie de vous dire. Jouer, ça on va le faire après bien entendu. Là vous pouvez voir, excusez-moi, vous pouvez voir la communauté, enfin ce qui se passe à peu près par rapport aux mises à jour ou ce qui va arriver. Après voilà le Facebook, le Twitter et le... d'ailleurs je vais le noter après. Et le site. Là voilà, ils disent qu'il va y avoir des nouvelles missions de coop. Je crois que c'est par... chaque jour il y a des nouvelles missions de coop. Storm You'd Paid, New Masses. Donc là il va y avoir un nouveau mode avec de nouvelles map dans un pack de starter pour les classes machin. Là voilà, bon après bienvenue à la bêta, etc. Le profil, donc vous pouvez vous créer un clan, regardez les défis à faire. Vendeur, je sais pas ce que c'est. Sélectionnez un vendeur pour choisir le prochain élément à débloquer, vous pouvez consulter. Je connais pas trop. Contrat, donc ça, si je dis pas de bêtises, je ne sais pas ce que c'est non plus. C'est des sortes, je crois, de sélectionner un contrat, acheter, tenter de l'exécuter en 24 heures. Oui, voilà. On doit exécuter en 24 heures un truc qu'on aura choisi. Donc par exemple, tuer 5 ennemis au contact en mode KO, etc. Je vais pas me tromper, mais je crois qu'il y a eu un autre jeu qui le faisait avant. Enfin bref. Statistiques, donc là voilà c'est votre statistique de votre personnage, les missions, les classes, etc. Le classement en coop et en conflit, parce que ce jeu aussi joue pas mal sur la coop et ça c'est vraiment pas mal, vous allez voir. Donc là voilà, je suis 255 105, donc bon, voilà, j'ai fait qu'une partie hein, pour vous dire. Les crédits et communications, je sais pas ce que c'est ça. Ah ouais voilà, si on veut recevoir sur notre adresse mail les actualités de soit de Microsoft ou de Crytek, si je dis pas de bêtises. Félicitations, vous avez reçu un nouveau objet. Vous avez reçu un objet, pardon. Écu de réanimation, réanimez-vous instantanément, ok. Donc alors là vous êtes sur le menu jouer, pas le menu principal, vous êtes sur le menu jouer. Donc il y a la coop, alors qu'on peut faire soit avec un ami, soit je vais vous faire voir dès que ça sera lancé. Voilà, faut faire ces deux là, moi je les ai pas faites, enfin j'en ai fait qu'une pour voir comment c'était. Après vous pouvez soit héberger une partie, soit rejoindre une partie, donc vous n'êtes pas obligatoirement obligé d'être avec 6 personnes. Si vous avez le jeu et que aucun de vos amis l'a, bah vous pouvez quand même faire des missions en coop, ça c'est assez cool quand même. Conflit. Alors là par contre voilà, c'est vous allez être dans des missions, ça on va le faire après. Et formation, je crois que c'est la... ouais, ça en fait la formation c'est comment dire l'entraînement. Que vous êtes obligé, enfin vous êtes pas obligé de le faire, mais je vous conseille de le faire pour apprendre les touches. Et aussi pour débloquer, je crois que c'est 1000 crédits, un truc comme ça, donc c'est pas... voilà, c'est pas rien. Et quand vous faites la touche X, que j'ai fait à l'instant, vous pouvez aller dans votre planque, donc là vous pouvez voir... certaines choses. Alors je sais pas ce qu'il y a à faire dans notre planque, je vous avoue. Je me suis baladé tout à l'heure et je vois pas ce qu'il y a à faire, à part, je vais vous montrer vite fait, si je dis pas de bêtises, là
On peut juste, voilà, tirer dans des cibles qui vont bouger, etc., s'entraîner au tir. Mais sinon, je sais pas vraiment. Alors, est-ce qu'on débloque des trucs en avançant nos niveaux? Là, on peut, voilà, s'entraîner et voir ce qu'on peut faire, à peu près. Donc là, pour les touches, c'est simple, hein, c'est comme tout FPS. Bon, là, on peut maintenir pour pousser. Ça, c'est assez rare de trouver ça en ligne. J'aime bien, moi, l'animation de saut, hein, ça me rappelle, bon, certains jeux. Là, par contre, on peut pas le faire, puisqu'en fait, pour vous expliquer, il faut maintenir. Et un coéquipier vient et on peut le projeter en haut. En fait, ça qui est pas mal dans le jeu, c'est que c'est misé un peu sur la coop, comme des vrais, enfin, comme vraiment à l'armée, quoi. Enfin, on s'entraide à l'armée, du moins pendant les camps d'entraînement. Et là, c'est pas mal parce que on trouve rarement cette sorte de coopération dans les FPS. C'est généralement, et je pense que la plupart seront d'accord avec moi, c'est généralement les FPS pour sa gueule, hein. À part les Battlefield, voilà, c'est généralement pour sa gueule, ce qui est bien dommage. Alors là, bon, on va faire quitter la planque et on va faire conflit et on va rejoindre. Alors bon, pour en fait, c'est par rapport à votre niveau, vous pouvez rejoindre. Donc là, après, il y a tous les joueurs, c'est des serveurs, tous les joueurs, débutants, professionnels. Nous, on va rejoindre débutants, parce que je suis pas non plus hyper fort, mais j'avoue que la première partie que j'ai fait tout seul, je me suis pas trop mal démerdé. Donc là, partie rapide, rejoindre, créer partie. Donc vous pouvez soit créer votre partie, rejoindre une partie vite fait. Moi, je vais faire rejoindre comme ça, parce que comme ça on voit les joueurs qu'il y a et ce qu'on veut faire. Donc là, tiens, forêt, je l'avais pas fait en plus en mission, j'en ai fait une vite fait, hein, de trucs. Et là, on voit donc les personnes qui sont sur le serveur, et nous on va faire rejoindre. Comme ça, au moins, si vous voyez quelqu'un que vous aimez pas, bah vous n'êtes pas obligé de rejoindre la partie. Mais franchement, j'ai fait, avant de faire cette vidéo-là, j'ai dû télécharger le jeu, bien entendu. J'ai dû faire une mise à jour. Alors, la mise à jour ne se déploie pas comme habituellement sur Xbox 360. Vous n'allez pas avoir un truc qui va vous dire que vous êtes déco du Xbox Live et faire la mise à jour. Non, là, c'est pas pareil. Vous allez faire une mise à jour comme quand vous démarrez un free-to-play sur PC ou un MMORPG, ce que vous voulez. Début de manche. Vous allez devoir faire la mise à jour sur l'écran. Donc, c'est un petit peu long, mais c'est normal en même temps. Les mises à jour sont assez fréquentes, j'ai vu ça, et tant mieux, j'ai envie de dire. Donc voilà, après vous pouvez donner aussi vos avis sur le jeu en leur envoyant un mail, puisque bon, je rappelle que c'est une bêta, donc si vous voyez des bugs, etc., c'est normal, c'est une bêta. Mais franchement, pour une bêta, c'est assez classe. Donc classique comme un FPS, hein, LT pour viser, RT pour tirer, c'est assez logique. Donc si je ne dis pas de bêtises, sur PlayStation 3, c'est inversé normalement, c'est R1 pour... non, L1... Ah, je me trompe. L1 pour tirer... Enfin bref, L2 pour tirer et R2 pour viser. Si je dis pas de bêtises, normalement les touches sont inversées. Du moins sur un Battlefield. Je crois. Bon, je sais plus. Enfin bref. Donc c'est classique, B pour s'accroupir, maintenir B pour s'allonger, donc assez classe. C'est classique, pardon. A pour sauter, logique. Vous pouvez... Alors attendez, parce que là... Je fais pause parce que là mon HDPVR était en train de bugger, je sais pas pourquoi. Voilà, j'avais peur. Donc payé pour, comme je disais, classique. S'il y a un décalage entre ma voix et ce que vous voyez à l'écran, c'est normal. Je pense que le HDPVR va manger une seconde comme d'habitude. Enfin bref. Qu'est-ce que j'en étais? Donc A pour sauter, vous pouvez maintenir A pour sauter des éléments un poil plus haut. Après, vous pouvez maintenir X soit pour pousser des... Je crois que j'en venais, vous bien. Vous pouvez maintenir X pour pousser des blocs. Alors, c'est assez rare d'en pousser, sauf en mode coop. Personnellement, en ligne, j'en ai jamais poussé, je crois. Après, vous pouvez maintenir X près d'un mur. Alors, pas tous les murs. C'est peut-être le seul défaut que je trouve. Certains murs, vous pouvez maintenir X et ça vous fera soit vous coller contre le mur. Et donc là, vous pourrez transporter un en haut du mur. Donc vous gagnez un bonus de saut, entre guillemets, vu que vous pouvez gravir une hauteur un peu plus haute. Ah, le bâtard. Vous pouvez gravir une hauteur un peu plus haute. Donc je vous ferai voir à l'occasion si j'en trouve. Mais là, je crois que je suis tout seul dans la partie où... Ou alors c'est du un... enfin, c'est du chacun pour soi, peut-être. Je sais pas vraiment. Je sais pas quel mode on a fait. KO. C'est peut-être un mode chacun pour soi. Bon bref, pour en revenir là-dessus, donc vous pouvez maintenir contre un mur et ça vous fera faire la courte échelle à votre pote, et ensuite votre pote vous prendra et vous mettra aussi en haut. Soit l'inverse, soit quelqu'un est contre le mur et vous maintenez X près de lui, vous allez vous envoler. Un peu comme pour ceux qui ont joué Army of Two ou Resident Evil, je crois aussi. En fait, surtout Army of Two qui le faisait, enfin moi je me rappelle surtout de ça. Ensuite, flèche de gauche pour normalement choisir la grenade, si j'ai
pas de bêtises, et c'est le cas. Donc vous pouvez faire flèche de gauche pour maintenir et prendre la grenade. Flèche de haut, c'est pour voir améliorer votre arme, donc en direct. Donc là vous voyez que je vois mon arme, etc. Donc je peux l'améliorer, ça c'est classe, je trouve, et assez cool. Flèche de droite, c'est pour prendre le couteau que je viens de découvrir. Et flèche de... Non, c'est pas flèche de bas, c'est Y maintenant. Enfin Y pour changer d'arme. Et je cherche une autre touche que je trouve plus. Tiens, je savais pas qu'on pouvait faire ça. Voilà. LB, qui peut en fait vous redonner des munitions à vous-même, donc en faisant LT, ou si un équipier à côté de vous qui a besoin de munitions, vous pouvez RT. Et RB pour lancer la bombe fumigène. Donc des touches assez classiques d'un FPS, à part certaines qui peuvent par exemple vous faire, voilà, par exemple faire la courte échelle à votre coéquipier, qui est assez rare sur un FPS. Plutôt, généralement c'est plutôt sur les TPS que j'en ai eu. Donc pour ceux qui connaissent pas TPS, c'est Free Person Shooter, donc tir à la troisième personne, c'est-à-dire que la caméra est derrière vous et pas à la place de la tête. Petit élément aussi à dire, qui est assez sympa, et qui se démarque légèrement de d'autres FPS. Quand vous allez lancer le jeu pour la première fois, purée, lui je l'avais pas vu. Quand vous allez lancer le jeu pour la première fois, ils vont vous demander de créer un personnage. Et là vous allez choisir en fait sa tête, et je crois qu'après vous avez des éléments par rapport à votre classe, etc. Mais ça je vais y revenir. Mais vous pouvez aussi surtout, voilà, changer la tête de votre personnage. Alors pour certains ils vont dire, ouais c'est rien. C'est vrai que c'est rien, mais ça peut donner, comment dire, une petite personnalisation à votre personnage qui donne cet effet que votre personnage est exclusif, quoi, que tout le monde ne peut pas l'avoir. Bon après c'est normal que vous allez revoir des têtes qui vont ressembler à votre personnage. Mais je trouvais que c'était un petit élément sympa. Vous pouvez juste changer la tête, hein. Vous pouvez pas modifier sa pilosité ou voilà autre chose. Vous pouvez... Les têtes sont prédéfinies si vous voulez. Et c'est à vous de choisir la tête qui vous plaît le plus, etc. Il doit y en avoir une 25, enfin une bonne vingtaine, c'est sûr. Donc bon, ça va. Moi je croyais qu'il allait en avoir que 2 ou 3. Vous avez une bonne vingtaine comparé à d'autres jeux où que vous avez pas autant de choix. Bon, certes c'est pas le meilleur truc, mais bon, je trouvais ça sympa. Faut rappeler, voilà, que c'est un free to play et que généralement il est mis à jour de temps en temps, de moins ce que j'ai lu avant de jouer, qu'il était mis à jour assez souvent, qu'il était personnalisé par rapport à ce que disent les personnages sur le jeu, les personnes sur le jeu, les ressentis, les je me fais dire dessus, c'est horrible en mode chaos, je suis vraiment nul. Les reports, voilà, enfin les reports, je sais plus comment on dit, enfin bref, vous m'aurez compris. Mais sinon, moi franchement, je trouve qu'il est assez sympa comme free-to-play, c'est assez cool pour des personnes qui veulent se détendre, etc. Ça fait moins cher que d'acheter d'autres jeux, voilà, comme d'autres grosses licences FPS. Alors c'est sûr qu'il atteint pas certains FPS qui sont, voilà, connus et reconnus, mais franchement je trouve qu'il se défend bien. Pour moi je dirais pas le nom des FPS, mais il trace certains FPS, surtout quand on sait que c'est gratuit, et franchement je prends plus de plaisir à ça que certains FPS. J'y ai pas joué longtemps, donc voilà, ça se trouve au bout d'un moment je vais peut-être m'en lasser, je vais peut-être être nul, ça se trouve il aura plein de bugs, mais bon, ça reste une bêta, c'est ça qu'il faut se dire aussi, que c'est logique et normal qu'il y ait des bugs, malgré que j'en ai pas vu personnellement. Après, ce que je trouve juste dommage, c'est peut-être la planque, ou que c'est vide de chez vide, qu'on s'attendrait peut-être à une personnalisation de la planque ou des trucs comme ça. Alors je sais que c'est un jeu de guerre, etc., et qu'on n'est pas là pour faire Valérie Damido dans sa planque, mais j'aurais trouvé ça sympa de pouvoir personnaliser un peu sa planque, etc. Je sais pas, limite faire des paniers. Il y a des paniers de basket, bah autant faire des paniers. Bon, ça je trouve c'est un peu cliché des militaires, mais enfin voilà, j'aurais trouvé ça sympa de pouvoir faire quelques petites actions et pas juste se balader dans une planque. Alors ça se trouve c'est parce que je suis au début du jeu et qu'il n'y a rien à faire et que c'est normal et que voilà, mais j'espère, franchement j'espère que c'est ça et que quand je vais prendre des niveaux, bah il y aura pas ça. Un truc aussi pour ceux que ça pourrait peut-être intéresser, on verra ça quand la partie sera finie. Vous avez une trentaine de succès à faire. Alors oui, pour une bêta c'est assez drôle de voir ça, parce que bon, j'en ai jamais vu, mais ça reste, voilà, bon, c'est un free-to-play, donc c'est logique. Mais quand même, 30 succès, c'est assez rare, parce que généralement, pour un jeu arcade, là, il est pas arcade, c'est ça que je suis étonné, mais généralement, pour un jeu arcade, un jeu téléchargé, entre guillemets, que vous pouvez pas trouver en magasin, tout simplement, généralement, vous avez quoi, une quinzaine de succès, et vous allez avoir 500 G. Alors là, peut-être que c'est 500 G aussi, mais vous avez 30 succès. Donc bon, pour les chasseurs de succès, ça peut être sympa. De ce que j'ai vu, c'est pas très compliqué, hein, je pense que c'est assez facile d'avoir. Moi personnellement je vais m'y mettre quand je pourrai,
mais franchement de ce que j'ai vu vite fait, c'était assez sympa et facile à faire. Si vous faites le jeu normalement et logiquement, ça devrait se débloquer tout seul. Sauf certains que vous allez devoir un peu torcher, mais bon, ça c'est comme tout chasseur de succès qui se respecte, vous allez devoir vous bouger le cul, hein, j'ai envie de vous dire. Mais voilà, franchement, si certains veulent se mettre à des succès du FPS, bon, c'est assez sympa. Aussi, ce que j'ai pas précisé, ce que je trouve assez sympa, c'est l'interface de toucher de l'ennemi, ou appelez ça comme vous voulez, enfin bref, le curseur quand vous touchez quelqu'un, il est assez sympa dans le sens où ça change de certains FPS. Vous allez prendre d'autres jeux, vous allez pas savoir quand l'ennemi va mourir, etc., ou... c'est assez chaud, ou alors il va y avoir une barre de vie au-dessus de sa tête, pardon. Là c'est pas pareil, quand vous allez tirer sur l'ennemi, si j'arrive à en choper un, va y avoir cette sorte de croix qui d'habitude indique que vous avez touché l'ennemi. Là elle indique également que vous touchez l'ennemi, mais aussi plus que la croix en rouge va se rougir tout simplement, et bah ça voudra dire que l'ennemi perd de plus en plus de vie, et ça c'est assez sympa, et au moins on sait où qu'on en est sur l'ennemi. Enfin, du moins c'est ce que je trouve, hein. Après voilà... certains diront peut-être pas ça, mais moi je trouve que c'est le cas. Par contre lui j'arrive pas à le shooter. Il y a trop d'ennemis monsieur. Crève. Oh chier. On fera un autre mode après, donc ça sera une vidéo. Si vous voulez des vidéos plus souvent sur ce jeu, dites-le moi, ça sera avec plaisir, j'aime bien. Ça change de certains FPS, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas touché un FPS aussi, mine de rien, parce que bon je suis plus Battlefield pour ceux qui le savent. Et c'est vrai que j'ai pas mal lâché Battlefield 3, j'ai eu Battlefield 4, alors ça je devais vous faire une vidéo dessus. Ok, la GPR qui bug encore, c'est magnifique. Il va y avoir un nouveau décalage de son. Ah, ça je suis vraiment désolé. Bon bref, ouais. Donc là la partie est finie. Je suis vraiment désolé s'il y a un décalage de son, ça va être horrible déjà de caler ça, c'est fait chier. Mais bon, c'est comme ça, c'est mon HDPR. Je vais pas vous mentir, avant de faire la vidéo, je pensais réellement pas la faire parce que mon HDPVR buguait à mort. C'est à dire que même, vous voyez, en fait je démarre à chaque fois la Xbox un peu avant, le temps de brancher mon ordi, mon casque, etc, etc. Et le temps de tout ça, l'HDPVR sautait sur le... En gros l'image a coupé tout le temps. Et je me suis dit, est-ce que je fais la vidéo quand même ou pas? Après je dis bon, si j'ai de la chance, non, ça va pas le faire. Mais là ça le fait. Donc, je suis vraiment désolé si ma voix est décalée, mais j'ai pas le choix. Malheureusement c'est comme ça. Soit je vous ferai un commentary en off, je verrai si vraiment c'est horrible, je ferai un commentary en off, on verra. Donc voilà, après on peut soit refaire prêt pour se relancer dans d'autres trucs, soit inviter des amis, etc, etc. Nous on va quitter la salle. Je sais même pas si j'ai gagné un niveau. Non, j'ai toujours pas gagné de niveau. On va faire cette fois, alors je crois que c'est Escarmouche qui représente le match en équipe, pardon. Alors je vais essayer d'en prendre un que j'ai pas fait. Je crois que j'ai pas fait en gare. Par contre non, attends, il y avait pas beaucoup de joueurs. Oh, bah, tant pis. Bon, si on va le faire quand même. Allez rejoindre. Ah non mince, j'ai pas fait ça. Oui, vous pouvez sélectionner le personnage, bon ça c'est comme tout jeu. Donc on va faire rejoindre, je pense que je vais faire deux parties aujourd'hui à peu près, histoire que vous voyez un peu le jeu, mais franchement moi je le trouve bien sympa. Voilà, faut se dire qu'il est gratuit, il est free to play, il est sur Xbox 360. À vous de me dire si vous l'avez vu sur PlayStation 3 ou quoi que ce soit. Personnellement, je crois pas, je crois que c'est exclu Xbox, mais je suis pas sûr. Après je sais qu'il y avait World of Tanks qui était exclu Xbox 360, qui avait été annoncé à l'E3. Bon, j'avais fait une vidéo sur World of Tanks, là je crois qu'il est passé en jeu ouvert, hein. Enfin voilà, il est disponible. Sachant que moi je vous avais fait une vidéo dessus quand il était en bêta fermé. Donc j'avais pu voir un peu avant tout le monde comment le jeu était, et j'avais pu vous faire une vidéo dessus. Je sais pas ce que t'as voulu me faire toi mec, mais... Oh la vache, par contre sa grenade elle m'a fait mal. Bon, là ça va être changé, ça va être de la coop. Alors là par exemple vous allez voir, je sais pas si y a un gars qui va me suivre. Là vous pouvez maintenir X. Et bien sûr l'autre il fait demi-tour, putain. Je voulais vous montrer comment ça fait, mais enfin bref, quelqu'un va venir dessus, etc. On fera peut-être après si quelqu'un me rejoint. Là lui va être trop loin. Par contre là c'est vrai qu'on n'est pas beaucoup de joueurs. Il y a, je sais pas combien il y a de maps à peu près, mais j'en ai fait quelques-unes. Enfin là actuellement j'en suis à 3 et c'est assez sympa de voir. Là bon, là par exemple le personnage, voilà, bon il a bugué, bon c'est pas grave, c'est normal. Oh joli. Alors je sais pas si c'était une clé mort, mais alors moi j'ai rien débloqué, hein. Vu que je suis niveau 1 comme vous avez pu voir, j'ai rien débloqué. J'ai pas mal défoncé de mecs pendant ma première. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Attendez, oh putain, il a fait comment? Oh, je crois qu'il a, il a fait... Oh là, oh, tu sais plus dans Vanquish quoi. Mais bref, il m'a perturbé, je sais plus ce que je veux dire. Ouais, ma première partie, j'ai fait 10 ennemis d'affilée, j'étais tout content. Dit, ouais, sachant que je suis un gros noob du FPS, enfin j'adore les FPS, hein, mais je suis un gros noob dessus. Mais voilà, j'étais assez étonné de faire un carnage dessus. Mais je l'ai fait.
J'étais content, mais après je me suis fait défoncer, hein. Je vous rassure, j'ai fait. Après on était premiers ennemis, j'ai fait que de la merde. Hop là, ça c'est fait. Alors normalement on peut relever les personnes. Non. Je crois qu'il faut être une certaine. Oh la vache! Je crois qu'il avait un fusil à pompe. Non, même pas. Oh la vache. Je crois qu'il faut. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais même plus. Ça, ils me perturbent tous. Oui, je crois qu'il faut une certaine classe pour pouvoir faire ça. Alors regardez, si on maintient X, lui il va pas le faire. Si. Connard. Bref. je vais y arriver avant la fin de la vidéo. J'en suis sûr et certain, je vais y arriver. Je veux vous montrer. Enfin bref, je pense que vous aurez compris. Mais je pense, voilà, j'espère. Sinon, j'ai rien à un con, mais. Logiquement, oui. Après les modes coop. Alors, les modes coop, pour revenir là-dessus, j'en ai pas fait aujourd'hui parce que j'aimerais plutôt faire ça avec un pote. Parce que bon, pour moi, les modes coop, ça doit se faire avec un ami, avec un micro, etc. Sinon, je trouve ça un peu. Voilà, bon, après, c'est vrai que le mode coop de jeu est largement faisable sans amis. Les mecs sont pas trop. Bon, si vous tombez. Bon, en fait, je pense que ce sera la fin de la vidéo. Vous aurez un peu vu, mais sinon, je referai une dessus. Pour en venir vite fait au mode coop, avant qu'on en termine là. Le mode coop, c'est tout simplement des missions. Alors, au début, vous avez deux missions obligatoires à faire avant d'en choisir trois autres. Les deux missions sont assez simples à faire. Vous êtes. Alors, c'est pas un mode coop à deux, comme vous pourriez le croire. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai cru. C'est un mode coop à, je crois, minimum 5 personnes. Enfin, maximum, pardon, je crois. Mais en tout cas, moi, je suis sûr et certain que j'étais pas deux, on était au moins 4 ou 5. C'était assez sympa, c'est assez rushant. Ça veut dire que vous pouvez le faire vite. Il y a de la coop. Enfin, moi, je trouve pas vraiment qu'il y a de la coop. Dans le sens où, bon, des fois, oui, on doit se céder à passer des murs, mais c'est très rare. Et encore, c'est passable à côté, ça veut dire que vous êtes pas obligé de les faire. Donc, bon, moi, je trouve que le mode coop est assez sympa. Mais, il apporte rien au jeu, quoi. Enfin, c'est un bon côté. Moi, en fait, ce que j'aime dans le jeu, pour en finir là, je vais me foutre au menu principal. Pour en finir avec mon avis sur ce jeu actuellement, personnellement, je trouve que pour un free-to-play, il est excellent, surtout un free-to-play sur console. Il est excellent, il est donc gratuit, hein, vu que c'est un free-to-play. Mis à jour assez souvent, je crois que c'est tous les mardis ou à peu près. Enfin bref, je sais pas, mais en tout cas, voilà, il est assez, comment dire. Ah, je vais y arriver. Assez mis à jour souvent, pardon. Le mode coop apporte un certain, enfin le côté de pouvoir s'entraider apporte un certain côté au jeu qu'on ne trouve pas dans d'autres FPS, puisque bon, on va pas se mentir, tous les FPS se ressemblent quasiment tous, à part avec les touches, etc. Donc faut bien réussir à se démarquer. Donc certains jeux comme je sais pas Battlefield, voilà, enfin certains, oui bien sûr, certains ont leur truc pour se démarquer des autres. Crysis, c'était l'armure, on va dire, la nano combinaison. Voilà, chaque truc a son truc pour se démarquer. Là, on va dire que c'est plutôt le côté coop, le plutôt entraide, qui manque à certains FPS. Franchement, ça manque à certains FPS parce que ça apporte de la réalité, ça apporte du réalisme, ça apporte du réalisme au jeu. Enfin, au côté plus militaire, parce que c'est vrai qu'il faut pas oublier dans le côté militaire. À part certains commandos, c'est pas chacun pour sa gueule, quoi. Faut vraiment s'entraider. Et là, c'est peut-être ça qui apporte ce côté entraide qui manque à certains FPS. Donc voilà. Je le rappelle donc une dernière fois, il est en bêta, il est en free to play, disponible sur Xbox 360. Vous pouvez le trouver parce qu'il est pas, sur le menu comme ça. Pour y aller, faut aller dans le menu jeu, ensuite dans le menu. Je crois que c'est parcourir les jeux. Et ensuite, vous allez chercher dans démo ou je sais plus. Enfin bref, vous passez les onglets, vous allez tomber sur Warface. Au pire, vous cherchez dans les jeux d'Xbox 360. Mais voilà. Sur ce, les amis, j'espère que cette vidéo sur Warface vous aura plu. Dites-moi si vous voulez d'autres vidéos sur ce jeu. Ça me plaira de l'en faire. Parce que je pense que je vais y jouer. Et je pense que je vais faire chier mes amis pour qu'ils téléchargent. Vu qu'il est gratuit, voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour suivre les prochaines vidéos. Je tiens à dire, avant qu'on se quitte, oula, j'avais promis de faire une vidéo sur Darksiders, mais en fait, pour des raisons de rage, je n'ai pas pu faire une vidéo dessus, puisqu'en fait, ma partie est bousillée, dans le sens où un ennemi m'a foutu de malédiction et que ma vie est diminuée en deux à vie, et que j'ai tué tous les PNJ qui pouvaient m'aider. Voilà, donc ça, c'était pour le côté, c'était pas Darksiders, pardon, mais Dark Souls, pardon. Voilà, Dark Souls, donc je ferai peut-être une vidéo dessus si j'ai le courage, mais pour le moment, c'est reporté. Voilà.
N'hésitez pas à un j'aime si ça vous a plu. En attendant, moi je vous dis geek et bien, c'était Shadow Nightmare, à la prochaine!